Tala. Salut la famille, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Bienvenue sur notre chaîne ML Girl, moi c'est Mimi. Aujourd'hui on se retrouve pour un prank. Ah ouais, ça faisait longtemps hein. Non, franchement ça faisait longtemps les pranks hein. Même moi, même à moi-même ça m'a manqué. Et on essaye et quand ça marche, ça marche. J'espère que celui-là en tout cas il va fonctionner, je l'espère. En tout cas, on se retrouve pour un prank que vous m'avez suggéré. De mettre une tenue scandaleuse pour voir sa réaction. Non mais franchement, vous avez vu, vous n'êtes pas gentil. Vous voulez ma mort. Non mais dites-le, ça ira beaucoup plus vite. Vous voulez que je meure, c'est ça? Une tenue scandaleuse. Ok, ben écoutez, je me suis exécutée, donc j'ai trouvé une pépite, une robe scandaleuse. Donc j'espère juste qu'il ne va pas trop être fâché. Mais en même temps, connaissant le personnage... C'est pas quelqu'un qui est jaloux. C'est pas quelqu'un qui m'empêche de sortir. Parce que ça fait quand même une semaine, enfin ça fait quelques jours déjà, que je lui dis que je vais aller manger avec des collègues. Il connaît pas mes collègues, donc c'est un peu... Je le voyais un peu déjà, un petit peu hésitant. Il m'a pas dit non, mais je le voyais un peu hésitant. Mais maintenant, quand il va voir la robe, est-ce que ça va toujours être le même discours? Est-ce qu'il va vraiment me laisser sortir? En même temps, c'est pas un homme qui est jaloux. Donc là, franchement, je suis un peu partagée. Et sincèrement, pour être vraiment très très honnête avec vous, j'ai pas du tout envie qu'il me dise oui, quoi. J'ai pas envie qu'il me laisse sortir comme ça parce que c'est juste pas possible. Même moi, passer devant mes voisins, je ne pourrais pas. Même moi-même, je ne me laisserai pas sortir comme ça. Parce que c'est juste pas possible, il peut pas, donc j'ai peur. Si, vous allez vous dire, mais il est où? Là, il est parti déposer les enfants, justement, parce qu'il passe la soirée chez la famille. Donc là, il est parti les déposer. Donc j'ai tout le temps là. Là, franchement, j'avais vraiment tout le temps de me préparer, de préparer cette petite partie-là. Et d'ailleurs, j'y pense, je crois que normalement, je suis censée être prête dès qu'il rentre. Mais je vais pas être prête, tu vois. J'aurai juste la robe sur moi. Je sais pas comment je vais la jouer. J'aurai juste la robe sur moi et comme ça, dès que lui il arrive, ben, c'est là que je vais commencer à me préparer en fait pour me maquiller et tout. Parce que là, je suis pas encore maquillée ni rien. J'ai juste posé ma pépée. Je suis pas maquillée. Du coup, ouais, je vais faire ça. Je vais attendre qu'il rentre pour commencer. Je vais commencer à me préparer et tout. Il faut absolument en fait que je passe devant lui à chaque fois pour qu'il voie vraiment la tenue. Parce que des fois il peut être là, il regarde la télé, je peux passer, il ne te regarde pas. En fait, il faut vraiment qu'il voie vraiment la tenue. Il faut vraiment qu'il voie la robe comment c'est. Donc je pense que ouais, je passerai, je ferai des tours. Je vais laisser la caméra parce que depuis qu'on a acheté la caméra, elle traîne toujours sur le buffet. Donc je vais la laisser traîner là sur le buffet. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour voir la réaction de Chesco. Si tu n'es pas encore abonné, bien sûr, je sais pas ce que t'attends. Abonne-toi, like, partage, commente, justement, mets-moi en commentaire. Comment t'as trouvé le prank? Commente, Team Mimi. Oui, chérie, regarde, je suis en train de faire mon shopping. Oui. J'ai l'habitude de fermer. Et là, vous me dites, hein? Hein? C'est débouché? Ouais, sur la N7, ouais. Mais ils sont où, mes chaussures? Ça va sinon? Oui, ça va, tranquille. Ça ira avec ces chaussures? Avec celle-là, là? Non? Ouais, t'as raison, c'est pas celle-là, elle est déjà toute taille. C'est mieux avec celle-là, non? C'est
Celle-là, c'est mieux, je pense. Et en quelle mètre avec quoi, ça? Bah, avec ma robe. Et quelle robe? Bah, avec celle-là, je vois. Avec cette robe. Oh. Non? Pourquoi? Parce que, mais il faut t'habiller, lui. Pourquoi là, je suis pas habillée, chou? Oh, yo, mon là, tu es là, mais t'as qu'à la ma mère. Bah, non. Oh, pourquoi? Parce que tu comptes sortir comme ça? Attends, je vais demander à mes abonnés quel père ils préfèrent. Attends, je vais faire comme ça déjà. Sortir comme ça, je te dis, au lieu de faire des tu là, ça sert à rien, tu vas pas sortir comme ça quand même. Bah, chou, comment ça? Bah, oui, je vais sortir comme ça. Elle est bien la robe. Mais je suis pas en taca là. Non, mais c'est juste parce que, non, mais c'est juste parce que j'avais le peignoir et du coup elle est remontée, mais sinon elle est bien la robe là. Avec soit avec ça, attends, je vais voir un truc. Je vais demander à mes abonnés lesquels parce que je n'arrive pas à choisir. Là, arrête d'être excité comme ça, pas rien du tout, ça, tranquille. Pourquoi? Parce que tu comptes habiller, tu comptes sortir comme ça, chérie? Ben oui. Naïdeni. Comment ça? Mais c'est pas digne, chérie. Tu peux pas sortir comme ça. Ben, comment ça, c'est pas digne? Oh, mais c'est pas digne, Robert. Imagine, moi, un gars qui n'a pas boué, je vois la meuf, par exemple. Je vois la meuf en porte à moi, par exemple, comme ça. Un gars étant qu'il y a un mec. Mais je me dis, mais les mecs, c'est un ouf. Par exemple, il sort sa femme comme ça. Mais le mec, c'est un ouf. Ça veut dire que si un pote à moi, il te voit comme ça, ça veut dire qu'il pensera la même chose dans la tête. Il va dire, mais tu sais ce que c'est un ouf de sortir sa meuf comme ça? Pourquoi il m'a boité? Ça n'a pas de sens. Mais Titi, il y a quoi? C'est juste une robe. Oui, elle est juste un petit peu plus courte. Elle est courte. Juste mais pour t'as la chupi. Mais comment ça? T'as qu'à la chouchou. Comment ça? Arrête, la robe, elle est bien. En plus, regarde, elle n'est même pas décolletée. On ne voit même pas mes seins. Tout est caché. La robe, elle est bien. Je vois pas le mal, là. Pardon, moi, je vais sortir. Oh, ça, là, ma caméra, t'aimé ou quoi? Non. Bah alors, tu ne sortiras pas comme ça, c'est tout. Comment ça, je ne sortirai pas comme ça, bon? Ben oui, tu ne sortiras pas comme ça. Ça sert à rien ou quoi que ce soit. Tu sortiras pas jamais, je te laisserai sortir comme ça. Ça va, t'es malade ou quoi? Oh. En plus, ok, oh, il m'a banane même déjà. Mes collègues, je te l'ai dit. Mais tes collègues, soit disant tes collègues. Et tes collègues, tu sors avec. N'a évité ce baba si, bah, collègue ou en gros baka. C'est mes collègues. C'est les meufs ou des mecs, je sais même pas. Chouchou, c'est des collègues de travail. Ouais, mais bah, collègues à travail, c'est mélangé, Mimi. Bah. C'est-à-dire que bah, collègues à travail, bah, si, bah, à la cannibale, bah, à la car. Et puis, mais toi, t'es un ouf, toi. Je te jure, t'es un ouf. Toi, tu crois que tu vas sortir comme ça, bateau, nous l'avons évité. Même si on a eu même naïba bateau, nous l'avons, tu ne sortiras pas comme ça. Au moins, n'y a ça. Chouchou, comment là? Et non, en plus, c'est pas comme si. Et encore, tu sais, quand t'es. Je sais pas, ça fait pas vulgaire parce que je suis mince. Je suis. Non, non, mon pied, là, tu n'as jamais pas mon pied. Ça fait pas vulgaire, il n'y a rien qui. Ça fait pas vulgaire. Ben voilà. Ça fait pas vulgaire, ça y est, chouin. C'est plus vulgaire. Ben je t'ai dit ça, je suis désolé, choupi. Mais tu peux pas sortir comme ça. Comment ça, je peux pas sortir comme ça, Titi? Limite encore si tu peux mettre des collants encore. Et encore, je peux encore dire oui. Oh là, tu vas coller dans la cate et tout ça. Nanana. Attends, je vais essayer avec le même. Mais au salam, Pounda, tu sortiras pas comme ça de toute manière. Tout ce que tu fais, ça sert à rien, tu sortiras pas comme ça. Je te jure. Soit toi, on a besoin. Bimate. Je crois que c'est tout ce que tu as besoin. On a besoin de soirée dans le bébé. On a besoin de bimater au niveau de bébé sa soirée. Soit au niveau de bébé sa moque pour la macambo, le bébé goûte bien bien. N'importe quoi. Soit avec ça. Moi, j'ai. Franchement.
Tu sais pourquoi je t'aime jusqu'à présent? Parce que tu me contrôles oh, pas. Oh, arrêtez, blablabla. Bla, bla, tu me contrôles pas. Et là, si tu commences à me contrôler comme là, ça, là, pour ça, je te contrôle. Ça va pas le faire. Mais il n'y a même pas de soupir. Ben oui. Écoute, on dirait que tu en as besoin de soi. Il n'y a même pas besoin de vous contrôler. Il n'y a pas besoin de vous soigner. Parce que je ne vois pas ce qui... Au fait, je suis en train de me filmer, je suis en train de regarder et je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Parce que toi, tu as trop, franchement, mon idée, on s'aboya bien. Franchement, c'est mon idée. Non, mais écoute, mon ami. Bien sûr que je suis bien. Écoute, babou. Sauf au moins qu'il y a bien. Vous avez bien, vous avez malaise qu'il y ait une femme mariée à la Tiboye. Sauf vous avez bien. Écoute, mon amour. Écoute, babou. Moi, je n'ai pas discuté avec toi pour rien. Sauf au moins qu'il vous mette bien propre comme ça. Et tant que non, ah, et mes frères peuvent te voir dans la rue comme ça. Bah, mon épée, moi, ça tchèse qu'au boye. Au moins qu'il y a bien. Mais ça fait quoi? Bah, sauf au moins qu'il y a bien, Bima. Bima, au coin, c'est le copé de talo, le copé de talo, le copé de comme ça, tranquille. T'as là, n'importe quoi, c'est que ça m'aille. T'as là, ma camion sur la monnaie, fais là ta photo. Je t'ai jeté dans mon postéo. N'importe quoi. Va changer, va mettre, je sais pas, un short ou un pantalon, je sais pas ce que tu vas mettre là-bas. Le haut, t'as là. Hé, t'as pas petit, nous sous. N'importe quoi. Yo, je prends confiance au latino cabo et puis au bimi. Hé. Où est-ce que ça va belle des fards? N'importe quoi. Donc, ben, tabane, monsieur. Yahoo, là, ça va robe, monsieur, n'a pas besoin de la vie, je suis parce que celle-là, tu la mettras pas, ça sert à rien. Je te jure, on a besoin. Je sais quoi. Ah, il n'y a pas de savoir quoi, choupi. Il n'y a pas mon amour. Ça fait plusieurs jours, écoute, ça fait plusieurs jours. Mon amour, non, écoute, ça fait plusieurs jours que moi, je te parle de cette soirée. Ça fait plusieurs jours que moi, dans ma tête, je me suis mis une tenue. Je m'étais dit, je vais mettre ma robe et je ne vais pas la changer. Donc, il y a dit, on a pas dit non. Ben je vais oui. sortir la tête et samedi. Je ne vais pas la changer. Là, je vais mettre ma robe et haut. Ben oui. Après, tu sais ce que pas dit, Noan Doki. Bah, ouais, je ça veut dire que même le mec qui est aveugle, je te jure, il faut voir comment c'est. Même si j'étais avec et que ton mari il était avec, je te jure, n'a minute la loi au monde. J'étais jeune, bah, j'étais jeune, ramenez-moi des aveugles. Avec, ouais, mon ami, mon imouta boule. Mais au commissaire, il est tanné. Je t'ai dit, à mon âme, mon tout. On t'a pas dit ça. À mon âme, mon tout. À fond, il y a un monsieur qui est là, ma boue. Mythique. Oui, comme ça, avec les babas. Avec les amis, avec les amis, on va dire au commissaire Baba. Non, mais tu arrêtes, il y a rien. Ah, mon âme, il y a un temps, belé, boue. Que Dieu me pardonne. Eh, mon amour, pardon. Eh. Il y a maintenant la zuya, qui est chargé chérie. Pardon, franchement. Hein? Non, mais je veux pas. Celui-là, t'as avec les. Non, mais je suis sérieux, je ne veux pas me changer. Non, tu ne vas pas sortir. Bah, sinon, dans ce cas, Fananao. Bah, Fananao, tu ne vas pas sortir. Appelle tes personnes, tu sors. Mais c'est pas toi, il est des amis. Oh, non, sors nous tranquillement. On dirait que tu ne vas pas comprendre. Mais chou, écoute, ça fait déjà 3 ans. Arrête, oh, attends, pour te maintenir dans ma colosse, il y a une obima boité. Attends, au sein, obimaté. Obimano boyete. Tu fais tout ce que tu veux. Ata ou saïno. Ata ou saïno sa limoro. Tigana ouas. N'importe quoi. N'a mieux tata ou la moussina ou la moitié. Ata la mélama sa tata la moitié. Je dis, je vais boire des travers. Eh. Yo mon amour. Yo mon isa veille de l'homme amour blague. Mais en fait, moi je comprends pas. Il y a quoi dans cette tenue? C'est comme si j'avais mis un pantalon qui me serre le corps. Là, c'est juste une robe et en plus de ça, elle est même pas mini quoi. Franchement, regarde, elle est même pas trop courte quoi. Franchement, celui-là, tigre bimi boué. Na vraiment vraiment. Je te jure. Attends, mais c'est quoi ton idée là? Je vais juste avec les collègues, on est avec H24, on est avec eux tous les jours. Tu c'est mes collègues quoi. Tu crois que je vais faire quoi? Au Moninga. Hein? Soit le tigre bimi boué. Na yuma. Donc, comme on a eu, on a eu maté. Donc, même quand les étiquettes sont mises, donc, Bimi, ben là, boyo, tu sors, ben là, comme ça. Je suis un vrai bolos. Bolos, ben ça. Donc, Bimi, ben là, tu sais, quand on a eu choupi, va. Non, comment envoyer des messages d'habitude, la jeune chose. Non, ça va te changer, t'es nu. Oh, je suis pas d'accord, la Robert, là, t'as. Je suis pas nu. Eh, mais oh, ça va être bâti, quand on a. Bon, moi je sors, moi je m'en vais, moi je vais me préparer, moi je vais sortir, tu souffres pour rien, tu vas pas sortir du tout, tu restes là. Si tu veux rester là, tu restes là. Soit tu mets un pantalon, un jean, t'as plein de jeans là-bas, là, des soumets, là, les akuna,
Et t'as même des jeans. Mais sérieux, là, tu veux mettre Soumbé là, mais tu m'as pris pour qui? T'as cru qu'on était dans les années 90 ou quoi? Soumbé là. Ça y est, c'est bon, c'est fini ça. C'est démodé en plus de ça, Soumbé là, pour aller manger au restaurant. Regarde, je suis très gentil, Choupé. Je suis très gentil. Tu sais, avec des gens que je connais même pas. Tu vois ou pas? Tu sais, avec les gens que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Je les connais pas. Tu m'as sorti, sorti avec tes collègues. Je t'ai dit, vas-y, sors avec tes collègues, je les connais pas, vas-y, va t'amuser. Mais il y a des limites quand même. Hein, tu sors avec des gens que je connais pas et tu sors comme ça. Et même si les gens que je les connaissais, même si je, même moi, même je suis, même si j'ai sorti avec toi, genre ouais, on sort avec des potes ou quoi que ce soit, même moi, même si je suis présent, tu sortiras pas comme ça. Je te jure, je te laisserai pas, même dans ma présence déjà, même si je suis là, je te laisserai pas sortir comme ça. Mais il y a quoi, en fait, je comprends pas. Mais si, j'ai plein de jeux comme ça, tu tiens, arrête d'exagérer. Non, même j'ai si plein de jeux là, comme ça, même si et là, je vois pas ce qu'il y a de mal, en mais, fait. Mais tu comprends pas. Je te dis, même si moi, tu sortais ensemble avec moi, avec Nabama, Statobimi, Namogo, et pourtant dans ma présence, je n'accepterai pas que tu sors comme ça. Et alors, tu imagines à combien de plus forte raison que je sois pas là. C'est pas que j'ai pas dit que tu vas faire quoi que ce soit, mais des fois, on sait que la personne va rien faire, mais des fois, il y a des, mais on n'a pas envie de tirer tous les regards qui sont autour de toi quand même. T'as envie, j'ai pas envie de dire baba, regarde, nous, c'est comme les panneaux quand même. Il y a des limites, Choupi. Franchement, tu as pas mal. Mais alors, si la personne est en train de me regarder, mais c'est lui qui est en train de me regarder, moi je parlais pas. Ceux qui ont voulu me poser à l'aise. Mais en tout cas, oui, moi je suis grave à l'aise. Hein. Franchement, moi je suis grave à l'aise. Ça, là, franchement. Ceux qui ont voulu me poser à l'aise. Ben oui, moi je suis à l'aise. Ben oui. Sans collant. Sans collant. Vous avez bien vu la moutaka là, boy. Franchement. Mais je suis pas nue, Titi, j'ai des sous-vêtements en dessous, je suis pas nue. C'est bon. Il y a rien de. Franchement, je vois même pas ce qu'il y a de mal en fait. Ben si tu veux pas que je mette des talons, je peux mettre des baskets si tu veux. Je mets des converses. Donc, comment on fait un kanda, chérie? Déjà. Donc, comment on fait un kanda pour rien du tout? Ti, Kobi Mango, le bagu, Kobi Mati, Kobi Mapete, à Kobo Vandinao. Déjà, comment on fait un kanda? Je vais sortir. Ah, bah, là, tu parles comme Laura, moi je vais sortir. C'est comme si elle commis à t'aimer. Bah, sors. Moi, je te retiens pas, Choupi. T'es libre de sortir. Sors. Mais conscience, n'est pas celle qui n'a été aux Zak et au Kobi Maboyeté. Au Kobi Maboyeté, au conscience, n'est pas aux Zak et au Bimi Boyé. Même si quoi que ce soit, ça monte quoi. Mais je suis franchement na qui zingue quand même. Se laisser ça sortir, ça fait comme ça, franchement. 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 Il faut arrêter, Choupi. Franchement, les gens ils vont te voir comme ça. Les gens ils te voient dans la rue comme ça. Ils vont dire quoi? Franchement, c'est quoi? C'est quelle image qu'ils vont mettre sur toi? Déjà, les gens ils vont pas me voir dans la rue parce que j'ai ma voiture. Je serai dans ma voiture, je descends, je rentre au restaurant. Au restaurant. Au restaurant, il y a qui les aveugles? Au restaurant, les gens. Il y a même un aveugle. Sauf que tu es un aveugle, la nuit au Big ici. Au coup, tu es un aveugle, la nuit là. Ah, c'est que ça m'aide. Coup, tu es un aveugle. Au moins, elle m'a quand même. Allez, chouchou, s'il te plaît, bébé. S'il te plaît, bébé, j'ai pas d'autre robe, c'est celle-là que j'avais achetée, c'était celle-là que je voulais. Ne te sortiras pas, maman. Mais tu passes ton temps. Je mets des baskets. Il y a des secondes, tu disais que. Bah, où tu devrais mettre ça, tu vas sortir. Donc, ça veut dire que t'as pas envie de sortir. Ou bien. Donc, tu veux pas que je sorte avec cette robe? C'est pas que je vais pas, tu vas pas sortir avec cette robe, tu peux pas sortir avec cette robe. Et si je dis je veux sortir là, maintenant avec cette robe, je veux sortir. Non, après conscience n'est pas salie. Hein. Donc je peux sortir alors. Donc non. Ça veut dire que je sortirai si je veux. Non, si toi tu veux, ouais. Mais sache que ton mari n'est pas d'accord, c'est tout. Tout simplement. Mais tu sais que c'est pas possible de sortir avec une robe comme ça. Ouais, mon takara était pas. C'est même pas une robe pour moi. Oui, c'est bon. Après ça, conscience n'est pas mauvaise. Exactement. Prends une. C'est les abonnés, ils m'ont suggéré de m'habiller comme ça et de te dire que j'allais sortir pour voir ta réaction. Comment ça après? Ben oui, ça. Tu crois vraiment que je vais sortir comme ça? Et moi-même, je suis mal à l'aise. Et je te jure, depuis tout à l'heure, je suis grave mal à l'aise. Comment ça, mon ami? Avec les papas, la caméra, wesh. Place qu'elle, ça là. Fais ses amas buvées. La caméra est là, ça fait des années. Pourquoi elle a allumé la caméra? Ben oui, je l'avais tournée. Et pour voir celle que j'ai là, pour voir ce que tu allais dire, quoi. Comment tu allais réagir. Déjà, pour voir ma réaction, ouais, si tu genre... sortir avec cette robe. Ouais, si tu me laissais sortir avec cette robe. C'est pas possible. Je te jure, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que c'était quoi l'idée, en fait? Ben, je sais pas. En fait, c'était voir ta réaction. Tu es en train de me filmer, je suis même pas rasé, Choupi. Désolée. Tu es en train de faire des vidéos comme ça, je suis même pas coiffé. Désolée. Je suis même pas rasé. Oh, ça va. T'es beau. Regarde. Mais t'es beau quand même. Mandé, on dirait Judas. T'es beau.
T'es beau quand même. Non, mais arrête de faire des vidéos comme ça. Je suis pas coiffé, oui. Bon, ok, d'accord. Mais c'était juste, voilà, c'était juste pour voir ta réaction. C'était juste pour pour voir si t'allais déjà me laisser sortir comme ça. Mais ouais, mais... Déjà, si t'allais me laisser sortir comme ça, déjà voir. Non, je peux pas te laisser comme ça. Franchement, je sais pas. Bon, attends, je vais faire un peu de beau gosse quand même. On me prend comme ça en flagrant délit. Mais pas... tu sais que je te jure que la peur que j'ai eue, c'était que tu me laisses sortir comme ça. Hein, parce que je sais que t'es pas quelqu'un de jaloux. Donc, d'habitude, tu t'en fous. Ouais, mais Mimi, n'est pas être jaloux. Il y a des limites. Et puis, n'est pas être jaloux, Nangaï. Le fait que je sois pas jaloux, ça n'a rien à voir avec ton habillement. Même si quand on n'est pas jaloux, même si on n'est pas jaloux, mais c'est pas que je suis pas jaloux, c'est que ça, peut-être j'ai trop, je me dis que bon, après, là on propose et dispose, on sait jamais, hein, je pense les doigts, j'ai dit que j'ai rien à craindre, quoi, entre parenthèses, mais ça ne m'empêche pas que je peux pas te laisser comme ça, Choupi, c'est pas possible. Même pour mon respect à moi et pour ton respect à toi, ça, c'est pas possible en fait. Non, donc, la jupe elle est super, la robe elle est super courte. Mais je parle pas pour tromper quoi que ce soit, mais c'est pour le respect de soi. C'est pour le respect de soi, j'ai dit que franchement je peux pas. Même tu sais, tu sortais avec moi-même, hein. Et autant pour la personne me balayer au bien avec tout seul avec toi dans les restaurants. Mais et jamais je sortirai comme ça, tu sortiras comme ça, jamais. Après, à un moment donné, si tu peux trouver que c'est à prison ou bien un dictat, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas aumônier, je ne suis pas dictateur. Après, conscience, non, que ça, je peux pas. Franchement, je suis désolé, je ne peux pas laisser ma femme sortir comme ça. À un moment donné, franchement, ça... Ouais, mais c'est qu'une tenue, quoi. Ah, bah oui, mais tout est qu'une tenue. Hein. Bah ouais, c'est qu'une tenue, ça ne veut rien dire. Mais après, c'est vrai, je peux comprendre, la robe, elle est super courte. Même moi-même, je ne me laisserai pas sortir comme ça. Non, donc, voilà, elle est super courte. Non, franchement, c'est votre truc. Je ne sais pas si l'idée, c'était... Si c'était réussir ou échouer, mais je sais pas si vous avez réussi ou échoué en fait à même temps. En fait, je sais pas parce que ta réaction c'était un peu inattendue pour moi parce que je pensais pas que tu allais me dire de pas sortir. Je pensais plutôt que tu allais me laisser sortir et je craignais justement que tu me laisses sortir parce que je me t'ai dit si vraiment tu me laisses sortir, c'est mais que tu vas vraiment, pas sortir comme ça au final. Non, mais je sors pas, il n'y a pas de sortie. Comment ça, il n'y a pas de sortie? Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de sortie. Ah, tu ne vas pas sortir? Non! C'était un prank tout ça. C'est pour ça que je l'ai préparé depuis. Ça fait plusieurs jours que je te dis, je vais sortir parce que je savais que j'allais te pranker. C'est un prank de la sortie? Oui, mais malheureusement. Non, je ne vais pas sortir. Mais pourquoi, mais c'est mal? Mais c'est parce que c'est lune de miel pour nous deux. Mais toi, t'es folle. En fait, la robe, c'est que pour toi. Non, mais sérieux. Tu pourras en profiter. Ouais, ben oui. Moi, je te jure. Donc, nous soignons avec le cinéma. Ouais. Ah bah c'est Bando qui est franchement. En tout cas voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le prank. Mettez-moi un hashtag Mimi. Franchement, Mimi. Jusqu'à ce que tu as préparé tout ça, franchement t'es forte. Hein. Ouais, ben franchement. Ouais, t'as vu ça. Franchement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye.